Ok. Ça c'est inutile. Non, ça sert à rien. Ok. Ok, t'en voilà. Allez, on peut l'achever. Ah ben l'achever, c'est bon. Tu es en un seul morceau. Je suis pas dedans. Tu as mal cru. Jetons un œil. C'était le laboratoire de l'elfe. Sang Vanien, je peux guérir. Chasse sauvage. Ok, et là il doit y avoir plein de souffle. De la chair pourrie. C'est bon. Eau de vie. Olive. Bon, rien d'intéressant quoi. Ouais, là. Là c'est alors pas mal. Après le froid blanc. Voyons ce que dit le message. Jiréel, cet endroit n'est plus sûr. Par d'ici sans tarder. Ne fais confiance à personne, et surtout pas aux sorcières du marais de Torséchil. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. Le lieu de notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Chier. Il est peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble. Des sorcières du marais de Torsépine. Non, Torséchine. Kera, je te préviens. Si tu me caches quelque chose... Mais je n'ai pas dit que... Tu les connais, ces sorcières? Je ne les ai jamais vues, mais... J'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les Moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Velen. Je vois. Et tu en penses quoi? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais... j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Velen, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté... la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. Ok... Comment trouver ces sorcières? Les marais sont vastes et dangereux, mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchine. À partir de là, il faut suivre le Sentier des Douceurs. Le Sentier des Douceurs? Suis-je bête? On ne vous lit pas de contes à Kermorren. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je le croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta Ciri là. Bien,
Commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Ouais, laisse-moi fouiller là. Bonne idée. Voilà. Là, il y a encore un bouquin, le sang ancien. Là, il y a encore des objets de quête. Et on va pas essayer d'activer tout de suite les objets de quête. Pierre de vin. Voilà, il y a plein d'éléments d'artisanat. Pour notre plus grand bonheur. Pour moi, plus grand bonheur. On va s'éclater après à trier tout ça. La légende de l'ours. Déjà que j'ai pas vendu tous les bouquins. Déjà que sur les bouquins, il n'y a pas marqué si tu les as vus ou non. Donc, aussi, ça va être marrant. Éclat de lune, Optimum Mater, j'en avais déjà eu un. Le bois, schéma Gambison de Skellig. L'huile contre les créatures hybrides. Et couronne. Et normalement, c'est bon. On a tout fouillé. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Étrange. Mon médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur? C'est une illusion. Je l'ai senti, moi aussi. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai ramené ceci. Qu'est-ce que c'est? Un œil donné à Lenny. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer. Tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Ça te fera un petit souvenir de moi. Merci. Ok. Quand vous remarquez un scintillement dans l'air, rapprochez-vous-en, une fois à proximité, appuyez sur eux pour dissiper l'illusion. D'accord. Donc le tutoriel continue. Hein. Un mystérieux mage herboriste. D'accord, un mystérieux mage herboriste. Et là, il y avait un autre objet. Qu'est-ce que c'est? La potion que je lui ai donnée. Apparemment, il s'en est servi. Tout ce que tu nous dis. Je dis pas à quoi elle sert cette potion, j'ai pas compris. Bref. Quelqu'un a créé une illusion ici. Facile, non? Voyons où mène ce passage. Tu sens un courant d'air provenant de la gauche? Il doit y avoir une issue quelque part. Bien. Allons-nous-en. Attends. Et la lampe magique? De quoi tu parles? La lampe. L'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver. Tu veux bien m'aider? Ouais. D'accord, je vais t'aider. Formidable. Allons-y. Elle a gagné. Ici. Ouais, j'ai pris un niveau. Fais voir niveau. Et on a des mutagènes, ça aussi. Pourquoi ils apparaissent pas? Ah si, ils sont là. Mutagène de griffon, ça serait 50 vitalité. Mutagène de spectre, c'est aussi 50 vitalité. Mutagène de spectre, c'est aussi 50 vitalité. Et là, on peut augmenter l'intensité de nos signes. Et après, je sais pas si on peut améliorer les techniques avec ça. Je sais pas comment ça marche. Et est-ce qu'on peut retirer un mutagène? Là, je vous explique, c'est qu'avec 3 mutagènes, il me semble qu'on a des recettes alchimiques. 3 mutagènes d'une même couleur. On verra ça plus tard. Il y a une inscription par ici. Fais voir. Tu pourrais me traduire l'inscription. Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Excusez-moi, je regarde l'heure. Okay, j'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Je l'aide à lui chercher sa lampe et j'arrête. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y, je t'écoute. 4 gardiens, 4 flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle.
le quatrième du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme. Oui, alors j'imagine qu'il va falloir allumer des trucs. Essayons de la résoudre. Bon, essayons de trouver la solution. Voilà. Donc, ah merde, non, ça. La torche s'est éteinte. J'ai cru qu'il fallait l'examiner. C'est ça que je voulais faire. Ok. On a dû se tromper quelque part. Oui. Donc alors attends, le premier c'était quoi? Est-ce que tu peux me répéter le... Alors est-ce que c'est marqué quelque part? C'est quoi ces quêtes secondaires? Quelle est l'inscription exacte déjà? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Attends. Il y en a deux qui ont un instrument. Vas-y, répète, s'il te plaît. Quelle est l'inscription exacte, déjà ? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine. Faisons un essai. Faut juste deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. Faisons un essai. Juste deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. Faisons un essai. Ouais, donc c'est lui qui va pas jusqu'au bout, ordre. Il a rien du tout. Quatre statues en tout point identiques. Oui, je vais voir mon... l'inscription exacte déjà. Je vais demander de répéter quatre encore. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un... Attends. Il se passe quelque chose. Il y a du mouvement derrière ce mur. Répète. Quelle est l'inscription exacte déjà? Le troisième... Quatre gardiens, quatre flammes. J'arrive pas à le retenir. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième... du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles. Donc c'est celui qui a un instrument, le dernier. Ok. Ça a marché. Ok, là on peut remonter. Bien appartenir cette tombe. Elle ne porte pas la moindre inscription. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran. C'est peut-être un monument en son honneur. Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Cridenan de Lod. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. C'est ça que tu cherches. À quoi ça sert, au juste? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fichons le camp d'ici. Ok. Ça c'est quoi? Tête de sage. De cavalerie. Et là,
Un site d'énergie devrait y puiser. Et une gargouille ou un golem. Un point de compétence et plus d'Irden. Très bien. Génial. Et un petit golem. Deux schémas, jacques de chasseur de primes et bombes de 10 méritium, une armure, une épée de merde, encore un coffre, plaque d'acier, y a rien à ramasser là-dessus, fil, charbon, œillère, pierre rainée, pierre de fer, couronne, minerai de fer, couronne, ok. Et hard. Et là encore, c'est que du bonus, bravo. Ok. Rappeler l'argenture 5ème essence. On est bon. Et donc là-dedans, on peut passer ici ? Non. Je pense qu'on y est allé là-bas. Ok, je pense qu'il faut juste revenir. Il y avait pas mal de choses. Mon médaillon vibre. Ça doit être un site d'énergie. Oui. On l'a déjà vu à l'aller, mon grand. Donc la sortie. Ah non, la sortie. Non, c'était ça, ouais. Oui, non, on avait l'énigme, ok. Ouais, l'énigme. Je crois que c'est en face. Je crois que c'est ça qu'elle disait. Il y a un courant d'air à gauche. On y va. Voilà.
Bon, on va pouvoir réparer cette arme. Il y a quelque chose ici. Je dois utiliser l'œil. Ah, la fin. Avec un joli bateau. Ouh, c'était long. Il était temps. Enfin, ça en valait c'était la peine, bon, non ? Mais c'était long. Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torséchine, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir ? Je n'y manquerai pas. Je vais essayer. Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kira. C'est vrai que je vais essayer. Pas de raison de ne pas la revoir. Rendez-vous au château du baron. Donc, la lampe magique s'est fait. Donc on a un joli bateau. Je sais pas où on est. De toute façon, pour ce qu'on connaît de la carte du jeu, bah là on était à Aubreuil, donc on est au sud. Et le bateau devrait sûrement nous amener sur une île où il y a une espèce de ville. Écoutez, avant qu'on se quitte, on va découvrir ça. Je suis en train de me rouler une cigarette. Comment ça marche les bateaux? Avec ses fleuves déchaînés, ses océans profonds et ses larges lacs nichés au cœur de vallées de montagne, le monde du sorceleur contient nombre de zones inaccessibles au pays et à cheval. Vous devez soit nager, soit naviguer, chercher des bateaux le long des rivages et aux endroits signalés par le symbole des ports. Prenez garde, si votre bateau heurte des rochers ou des obstacles, il subira des dégâts pouvant le faire couler. Appuyez sur E avant de. Ok, mais il faut que je le contrôle. Donc là. Je comprends pas. Et là, faut à la gouverne. Ouais, c'est ça. Accélérer et maintenir mage gauche. Arrêter, reculer. S. Donc là, je peux le contrôler. Donc. Bah ouais, tout droit. Tout droit. On va regarder ça. Donc en fait, il y a une petite structure sur une île. Qui est là. La même distance d'affichage quand même. Bah non, il suffit d'aller à gauche en fait. C'est bourré d'ennemis, de noyeurs. C'est tout ce que tu sais faire, Zach. Et de boules. Ok, c'est génial. Une bonne idée. Bon, elles sont pas très fortes. Toi, allez,
Ça, je sais pas ce que c'est au loin. C'est ni un noyeur. Il y en a un paquet. C'est quoi cet endroit? C'est peut-être des ruines, tout simplement. Des ruines abandonnées. On va voir le cœur net. Balèze là. Bordel! Ah, je suis coincé! Tout ça c'est abandonné. Je pense pas que ça a le moins d'intérêt. Putain, il y en a beaucoup trop. Hein. C'est infesté. Bon, allez, on reprend le bateau. On va se barrer. Au moins on le saura. Donc, verrou, c'est mieux de revenir. Donc ça, c'est l'entrée d'une grotte. Donc là encore, les bateaux. T'auras moyen de te balader quand même. Style cette ville-là. Cowboy. Ah oui, on a les voyages rapides, hein, si j'y pense pas, mais bon. On est au début du jeu, je pense que c'est toujours utile d'explorer par soi-même. Bah écoutez, donc, avant qu'on se quitte, on va découvrir ce que c'est que ce village. Je voudrais au moins réparer mon épée, quoi. Peut-être pas faire l'inventaire, parce que là, je vous avoue que ça va me saouler. Non, ne coule pas. Voilà. Est-ce qu'on voit la vie du bateau? On a un petit logo. Fais gaffe à ce banc là. Ok. Donc là, je suppose que c'est tout droit, quasiment. On devrait la voir la ville. Je sais pas ce que c'est que ce machin là. Je crois qu'il faut rentrer là. Une espèce de crique, la ville elle est dans la crique, ouais c'est ça.
chercher les ennuis. Ils vous trouvent tout seul. Il y a un marchand là-bas. On va pas faire du Gwent, hein, ce jeu. C'est tentant. Ouais, donc quel clipping. On voit apparaître ces persos. Il y a un artisan là-bas. Voilà. On va s'arrêter là. Nif gardien. C'est bon. Voilà. Quand on améliore ses armes temporairement. Ouais. Ouais. J'ai une commande. Vous pouvez jeter un œil. Attends, avant de réparer, ouais, va falloir. Regardez ce qu'on a chopé. Dommage. Donc les armures, on n'a rien trouvé de mieux. C'est dommage parce que j'aimerais bien, même si je me suis fait chier à forger cette armure, elle est très moche. Les œillères, on peut les couper. 3% de chance d'infliger un saignement. Donc les gantelets, aucun intérêt. Les épées, c'est aussi le cas. Et la selle, on peut la mettre. Attends, la selle, selle améliorée, 25 de vigueur. Ouais, c'est ça. Voilà. On n'a pas les sacoches. Donc les sacoches sont pratiques parce qu'elles vous permettent de transporter plus d'objets. Donc on n'a rien trouvé de mieux. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai une commande. Vous pouvez jeter un œil. Voilà. Putain, mais je suis con. Non. Reviens. D'abord le commerce. Ah, il a plus de souffle. Bah attends. Qu'est-ce que t'as ? À kit de réparation d'armes. Alors ça, on va peut-être te le prendre. Je vais te prendre les deux. Et tu vas m'acheter les armes. On a combien de sous là ? 714. Oh, bonne affaire. Je suis con, en plus je vous ai dit qu'ils avaient enlevé le système des runes, mais si, j'en ai plein depuis le début, c'est juste que je les utilise pas. En effet. Donc ça c'est bon, donc maintenant l'artisanat, non je m'en fous, c'est réparé que je veux. Donc si je veux tout réparer, ça me coûte 159, et ben vas-y. Et démonter, non, ça va pas m'intéresser. Voilà, et artisanat, on a dû avoir des nouvelles recettes. Même pas. Ok, parmi ce qui vend, bah, y a des glaives. Des glaives en argent, mais qui sont toujours pas aussi bien que ceux que... j'ai forgé durant le prologue. Je suis assez content de les avoir fait par contre. Et bah ça c'est bon. Adieu. Alors attendez, attendez. Alors, déjà, toi, est-ce que tu joues? Ouais. Il ne joue pas. Ok, c'est bon à savoir. Adieu. Ça. Juste voir le marchand.
quand je vais reprendre, savoir s'ils jouent. Et déjà, est-ce qu'ils vendent des cartes? Oui. Ouais, je joue en Gwent, ok. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Ah, la vieille sèche-coche. Mais ça coûte super cher, hein, 320. Et ils vendent pas de cartes. Ok. Très bien. Tu rachèterais pas ma selle? Bah non, il l'avait déjà racheté, ok, y a pas de souci. Il peut racheter les bouquins, donc ça on va le faire. Mais je le ferai la prochaine fois, là j'ai vraiment la flemme. Ah, ce que j'ai pas fait, j'ai pas lu les cartes que j'avais. Ça je peux le vendre. Ça ne sert à rien. Ah, et j'avais des pots de bêtes aussi. Ouais. Et ça c'est quoi? La chair pourrie, on peut obtenir quelque chose avec. Bon vin. Alors, attendez. Putain. On va pas se quitter comme ça encore. Je vais démonter ces choses-là et je vais sauvegarder devant le marchand. Pour faire la partie de Gwent. Est-ce que je vais reprendre? Ouais, pouvez-vous me fabriquer quelque chose? J'ai une commande. Vous pouvez jeter un œil. Ok. Donc c'est démonter que je veux. Démonter et cet inventaire quoi, c'est ça qui déprime quoi. La vieille peau, ok, ok. La chair, attends, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des cendres, ouais. Allez, vas-y, ça c'est de la merde. Et les fioles, mais faut arrêter de ramasser tout ça. Ça ne sert strictement à rien. Donc le verre, après, ils disent que je peux le démonter, mais c'est pas le cas. Je ne le vois pas réapparaître après. Cœur de gargouille. Ok. Ok, ok, bon. Au revoir et on va bientôt se dire au revoir les amis. On est à 20 donc ça va, on n'est pas encore encombré. Ben écoutez, c'est un super début, là t'arrives pas à décrocher, là c'est vraiment la fatigue. Hein. Vous avez peut-être l'impression que ça me saoule, mais pas du tout. Je continuerai bien pour encore jouer au Gwent. Pour explorer, faire des cartes trésors, t'as vraiment le contenu qui est vraiment, et même l'artisanat ça commence à faire tourner la tête pour les ingrédients de terre. Donc pour l'instant c'est vraiment très très bon jeu là, vraiment là, je suis cloué. Puis bon, je vous ai déjà parlé de la technique et tout, mais là j'ai trouvé la quête excellente. Il y avait quelques longueurs sur les phases d'action, mais franchement je leur en veux pas, je trouvais que c'est super rythmé. Et voilà, bon écoutez, j'ai pas beaucoup parlé aussi, je suis désolé, mais là je découvre le jeu, je suis un peu bouche bée. Et puis voilà, bon bah écoutez, si vous êtes sur le live ou si vous avez vu ça sur YouTube, peu importe, je vous embrasse. Et à plus. Bisous.